Bonjour encore et encore, bienvenue sur la chaîne Les Aides de Freddy. Alors, nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année 2021. Et là, nous allons déjà, dans cette première vidéo de l'année 2021, vous donner quelques éléments très très importants, qui va vous aider à pouvoir à réussir. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons vous montrer? Nous allons déjà vous présenter au moins sept concours les plus populaires de la Côte d'Ivoire. Voilà, que vous devez même si ces concours ne sont pas encore lancés, qu'est-ce que vous devez faire déjà pour pouvoir réussir? Cette année, nous allons aussi, à la fin de cette vidéo, rester jusqu'à la fin parce que nous allons donner un élément très important, une astuce qui va vous permettre de pouvoir ne pas agir comme chaque année. Alors, après la présentation des différents concours, que vous devez, si vous voulez présenter un concours, vous devez passer et nous allons ensuite vous donner un élément, voilà, un secret qui va vous permettre de pouvoir faire la différence. De ne pas pouvoir faire comme tout le monde. Vous savez, Einstein a dit, être insensé, c'est vouloir faire les choses de la même manière faire les choses de la même manière et vouloir que les résultats changent. Alors cette année, nous voulons que vous procédez d'une autre manière pour pouvoir réussir vos différents concours. Parce que c'est possible. Vous pouvez réussir vos différents concours, mais vous devez savoir comment procéder. OK, sans plus tarder, nous vous présentons les différents concours à grand tirage ou de notre pays. Voilà les différents concours que vous devez présenter si vous êtes en Côte d'Ivoire. Et nous allons déjà vous montrer quels sont les éléments. Déjà, vous pouvez avoir, si vous voulez, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous envoyer les liens. Ou si vous voulez, nous allons laisser les différents liens en dessous de cette vidéo. Donc, vous regardez dans la description, vous verrez les différents liens. Vous pouvez déjà venir sur cette plateforme-là pour pouvoir voir quels sont les critères parce que pour l'année 2021 n'est pas. Voilà. Donc, nous vous informons. Les concours ne sont pas encore lancés pour cette année 2021. Donc, les présentations que nous avons faites, c'est la session passée. C'est pour vous dire que dès maintenant, vous pouvez choisir déjà et commencer à pouvoir faire ce qu'il faut pour réussir. OK? Donc, comme vous voyez, une administration publique à votre écoute. Concours administratif 2020. Si vous voulez être fonctionnaire, si vous voulez passer concours pour entrer à la fonction publique, voilà. Voici les concours. Le concours qu'il vous faut, c'est le concours administratif session. Voilà, concours administratif. Pour la session 2021, il sera lancé très bientôt. Donc, vous restez sur cette chaîne. Nous allons déjà vous informer lorsque les dates seront disponibles. OK? Donc, même si vous avez dès maintenant besoin de quelque chose, si vous voulez un conseil, si vous avez besoin de notre aide, n'hésitez pas de nous contacter. Regardez dans la description, vous verrez notre numéro WhatsApp. Vous nous contactez par WhatsApp, vous aurez des réponses le plus rapidement possible que lorsque vous laissez les commentaires. OK? Donc, d'abord, le concours d'entrée à la fonction publique, c'est concours administratif session 2020. Il y a plusieurs types de concours. Nous n'allons pas rentrer dans les détails parce que quand les concours seront lancés, nous allons vous faire des vidéos qui vont vous expliquer en détail ces différents éléments-là. Alors, vous devez savoir qu'il existe un concours d'entrée à la fonction publique. OK? Et aussi, si vous voulez devenir agent de santé, s'il s'agit du le concours pour pouvoir devenir agent de santé, concours direct d'entrée à l'ENFAS. OK? Donc, si vous voulez devenir agent de santé, vous pouvez présenter concours d'entrée à l'ENFAS. OK? Donc, agent de santé, si vous voulez devenir. Voilà. Donc, on ne peut pas rentrer dans les détails. Il y aura les vidéos de présentation, lorsque les concours seront lancés, seront disponibles sur cette chaîne. Alors, abonnez-vous déjà, activez la cloche de notification et n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. OK? Après le concours d'entrée à l'INFAS, nous avons le concours instituteur agent, CAFOP. OK? CAFOP. CAFOP, voilà. Il existe aussi le concours de CAFOP. Pour l'année 2020, est passé. Pour l'année 2021, c'est bientôt. Les concours seront lancés. Donc, vous restez
scotché à cette chaîne, vous restez en contact avec nous. Et lorsque ces dates seront disponibles, nous allons faire des vidéos pour pouvoir vous montrer étape par étape comment procéder pour pouvoir vous aider à pouvoir y arriver. OK? Après CAFOP, nous avons le concours École nationale d'administration, ouais, ENA. Si vous voulez devenir un cadre supérieur, vous pouvez présenter ce concours. ENA, non. Voilà, donc, nous disons qu'il existe un concours appelé concours d'entrée à l'ENA. OK? Pour la session passée, donc on nous attend dans la session prochaine, les vidéos sur ces chaînes. Nous sommes là sur la chaîne des entreprises, Freddy, pour vous aider. Donc, les vidéos seront disponibles très bientôt quand les concours seront lancés. Alors, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer et d'être de rester toujours en contact avec nous. OK? Ensuite, il y a le concours d'entrée à l'INJS, école, voilà, comment vous avez, Institut national de la jeunesse et des sports. Institut national de la jeunesse et des sports, donc si vous voulez vous devenir, voilà, si vous voulez entrer dans le cadre du sport, voilà, vous pouvez présenter ce concours. OK? Et ensuite, nous avons quoi? Institut national de formation sociale. OK? Concours direct d'entrée à l'INJS. FS 2020. Si vous voulez rentrer à l'Institut national de la formation sociale, il existe aussi un concours de ce genre. Donc, quand le concours sera lancé, nous allons faire des vidéos pour pouvoir vous aider à vous accompagner. Comment faire les inscriptions en ligne, comment procéder pour pouvoir faire votre visite médicale, ainsi de suite. Donc, restez connectés à cette chaîne. OK? Ensuite, nous avons l'Institut national de la formation judiciaire. Okay? Institut national de la formation judiciaire. Il s'agit d'un concours pour ceux qui veulent au niveau de la justice. Okay? Donc, nous ne voulons pas rentrer dans les détails. Quand le concours sera lancé, nous allons faire des vidéos pour pouvoir vous aider à pouvoir être en mesure de pouvoir vous présenter et pouvoir réussir ce concours-là. Okay? Donc, vous voyez au total au moins 7 concours que nous voulons présenter. Maintenant, il y a plusieurs autres concours. Il y a le concours d'entrée à ENS, OK, École d'Or supérieure. OK, ENS, École nationale supérieure, voilà, l'école de formation des professeurs, OK, qui est aussi un concours à grand tirage aussi, que nous déjà. Nous allons vous présenter. Alors, nous allons nous arrêter là et vous donner le secret. Le secret, c'est quoi? Comme nous avons dit, en appliquant la citation de Einstein qui dit, être insensé, c'est faire toujours les choses de la même manière et vouloir que les résultats changent. Cette année, nous allons vous donner un autre, le secret. Comment faire pour réussir? Voilà, nous allons vous dire de faire autrement pour pouvoir avoir un résultat différent. OK? Donc, le secret, c'est quoi pour cette année? Vous voyez, les athlètes ont plus de 6 mois pour faire quoi? Pour se préparer. Et lors des Jeux Olympiques, ils courent seulement que 30 secondes, au moins que 30 secondes. OK? Les footballeurs, lorsqu'il y a, il y a, il y a, il y a, comme on appelle, il y a un match préparé, ils ont plus de 2 mois de préparation et quand ils vont, c'est 90 minutes. Les élèves qui présentent des examens, on leur donne plus de 3 mois de préparation et les examens, il y a des sujets de 1 heure. Donc, ce que nous allons vous dire, c'est que le secret se trouve au niveau de la préparation. Donc, cette année, nous, les aides de Freddy, nous vous conseillons de pouvoir mettre l'accent sur la préparation. Alors, ce que nous allons vous demander, avant même que ces concours-là puissent être lancés, déjà, vous, dès maintenant, à partir de cette vidéo, vous faites votre choix. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous nous contactez, nous allons donner des détails ou vous faire visionner les vidéos passées, voilà, des concours passés. De l'année passée, vous allez déjà choisir le concours que vous devez présenter et ensuite, après avoir choisi le concours, avant même que ce concours soit lancé ou avant même que vous faites votre inscription, nous vous conseillons alors de faire quoi? De commencer la préparation dès maintenant. Nous insistons sur la préparation. OK. Commencez la préparation maintenant sans
plus attendre. Ok, donc nous vous conseillons déjà de commencer la préparation. Pour pouvoir préparer le concours, il n'y a pas grand-chose. Nous allons vous donner les trucs, les choses très simples qui vont pouvoir vous aider. La première des choses, c'est de pouvoir, voilà, si vous avez l'opportunité de pouvoir vous inscrire sur les écoles qui organisent les cours de préparation, nous vous conseillons. Si vous n'avez pas, en plus de cela, voilà, nous vous demandons déjà d'avoir des supports de préparation. Au niveau des supports de préparation, si vous avez des difficultés à pouvoir avoir des supports de préparation pour vos différents concours, n'hésitez pas, écrivez-nous. Nous allons déjà vous aider et vous proposer des supports de préparation sélectionnés par des experts qui vont vous aider à pouvoir réussir votre concours. Ok, donc le secret de cette que nous vous donnons, c'est nous vous invitons à pouvoir mettre l'accent sur la préparation. Commencez à préparer votre concours avant même qu'il soit lancé. Et au fur et à mesure que vous serez en train de faire les différentes procédures, les papiers, nous vous conseillons de pouvoir continuer votre préparation. Ça ne vous coûte rien. Vous pouvez aménager dans votre programme au moins 1 heure par jour ou 30 minutes et vous avez votre support. Vous apprenez et vous verrez que le jour des compositions, vous serez très à l'aise. Et là, cette confiance en vous va vous permettre de pouvoir réussir. Ok? Donc, merci de nous avoir suivis. Et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, contactez-nous en cas de besoin. Et cette année, sachez que c'est possible que vous pouvez réussir. Et si les autres ont réussi, c'est que vous aussi, vous pouvez réussir. Alors, demandez. Alors, suivez ces conseils très simples. Parce que la vérité est toujours simple. Ok? La vérité est toujours simple. Donc, suivez ces conseils très simples. Et vous allez voir que vous allez réussir sans beaucoup de difficultés. Merci et à très bientôt. Au revoir.